Quand tu finis alors, tu me dis, moi, je suis prête. Je veux juste mettre une petite veste. On part à quelle heure? D'accord. J'ai lancé la vidéo. Ok. Quand tu es prêt, tu me dis. Ouais. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour mes amis et bon week-end. Je fais un coucou aux gens qui m'apprécient bien, à mes fans. Bonjour, bonjour. À mes fans et à tout le monde, je vous fais un gros coucou. Bonjour Tina Flore. Bonjour Mercedes. Bonjour, Mediman. Si ma langue se coupe, tu vas dire quoi? Bonjour, vous allez bien? Ça se passe? Voilà, moi, je n'ai pas l'habitude de me mêler des histoires qui ne me regardent pas. Mais à un moment donné, il faut dire ce qu'on pense. La question que j'ai juste envie de poser. Donc maintenant, comme Mark Zuckerberg nous a créé Facebook, vous allez dire que n'est-ce pas toi-même tu es dedans. Apollo Mbarga, mon frère, Mbembekiri. Honnêtement, moi je veux juste vous prendre l'exemple de mon problème avec Michel. Vous allez dire que tu reviens toujours dessus parce que je sais qu'après, comme il y a trop de préjugés, comme il y a trop de jugements. Moi, j'ai eu mes problèmes avec Michel. Avant qu'on arrive sur la toile, moi, j'ai fait des démarches. J'ai fait des démarches de paix, d'arrangement. Moi, j'ai fait des démarches. J'ai envoyé plus de 7-6 personnes auprès d'elle pour que je vais bien, merci, et toi. J'ai envoyé près de 7-6 personnes pour qu'on essaye de dialoguer, pour qu'on essaye de trouver un moyen de paix. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Moi, j'ai fait les démarches, hein, parce que j'ai pensé que c'est une personne, quand j'avais besoin, elle était toujours là pour m'aider. Elle était toujours là pour m'apporter secours dans ma vie. Vous savez, il y a des moments, vous passez des moments durs, hein, des moments difficiles. Et c'est là qu'on reconnaît une bonne personne ou une amie. Moi, quand j'ai passé mes moments difficiles, quand je suis quittée de chez mon mari, c'est elle qui m'a soutenue, hein. Mais c'est Michel qui m'a soutenue. Donc, moi, j'ai pensé à tous ces moments. Prudence, ma fille, bonjour. Moi, j'ai pensé à tous ces moments-là. Alors, quand les problèmes ont commencé, quand elle a commencé à vouloir publier, à menacer qu'elle va publier mes photos, moi, j'ai fait les démarches. J'ai dit, s'il te plaît, même si je suis allée faire le Congo ça chez Madame Médor, excuse-moi. J'ai même envoyé des messages de pardon, des demandes d'excuses. À chaque fois que j'envoyais les demandes de demande, elle prenait les messages, elle balançait sur Congo ça et tout. Après, je me suis trouvée très ridicule. Jusque-là, je suis restée calme. C'est quand vraiment. L'histoire de Rabiatou Ayumba est venue, c'est là que j'ai pété les plombs. J'ai dit, merde, malgré que j'ai fait toutes ces démarches, malgré que j'ai fait ça, voilà donc une autre histoire, j'ai pété les plombs. Mais à un moment donné, il y a un temps pour tout ça. C'est arrivé, peut-être que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Par exemple, une personne comme Lorraine, aujourd'hui que vous voyez, elle m'insulte sur son mur, elle fait les vidéos sur son mur. Pour me parler mal de moi. Elle me devait mon argent. Elle m'a pris mes 1500 euros. Vous-même, ici en Europe, ici en Bain, quand on se lève le matin, qui peut faire que tu as besoin de même 500? La personne te dit que viens chercher 500. Même 200 euros. Nous vivons ici en Europe. Mais elle est venue chez moi, je ne la connaissais pas. Je la connaissais en tant que la femme de Tanous, et Tanous, c'est mon frère.
J'ai appelé Tanous au Cameroun, j'ai dit, mon frère, voilà ta femme qui veut que je lui donne 1500. Il dit que non, donne, elle va te remettre. Parce que déjà, j'avais déjà l'appui de mon frère. Donc, j'ai donné mon argent. Cet argent, il était question parce que c'était au mois de novembre. Et moi, je devais aller au Cameroun en décembre. Il était question qu'elle me remette cet argent au bout de 2 mois, c'est-à-dire novembre, décembre. Je devais aller au Cameroun en janvier, pardon. Décembre est arrivé, janvier est arrivé, mars, avril, mai, je dis que qui? L'année même est finie. Hein? Quand j'appelle, je dis que ma belle-sœur, s'il te plaît, remets-moi mon argent. Les problèmes commencent. Les problèmes de commérage. Quand j'envoie même d'autres gens appeler que, dites à Lorraine que je veux mon argent, les problèmes de commérage commencent. J'étais obligée de péter les plombs, c'est quand même de l'argent. On souffre pour avoir l'argent, on travaille dur pour avoir de l'argent. J'ai pété les plombs. Donc les gens vont dire que oui, toi tu n'es pas mieux placé. Moi j'ai toujours des preuves sur mes choses. Donc je me suis pris la tête avec elle, je l'ai tellement clashée, Lorraine, comme vous connaissez. Donc maintenant, le problème avec Madame Médor, je ne connais pas Madame Médor. Hein. Je l'ai croisée dans un restaurant vite fait. On s'est salué. Et c'est parce qu'elle était l'amie de Michel aussi. On s'est sympathisé et tout. Si j'avais même écouté les conseils de Jean, c'est qu'elle et moi n'aurait jamais eu de problème. Et je ne sais même pas ce qui m'a pris. Parce que je suis une personne très méfiante. Dans ma vraie vie même. Je salue difficilement, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc, bref. Maintenant, on a eu tous ces problèmes. Au jour d'aujourd'hui, là, comme nous avions Facebook, nous sommes que dès qu'il y a un petit problème, moi, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai des problèmes, par exemple, avec mon entourage. Je ne peux pas vous dire, hein. Parce que vous savez, on vit dans un pays de stress et il y a des jours que ça se passe mal entre nous. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai des problèmes dans mon entourage, même avec mes amis, avec ma famille, mais je ne peux jamais venir m'asseoir sur Facebook pour déballer ou pour parler parce que je pense que dans la vie, il faut faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Comme on dit, vous dites que vous êtes des grandes femmes, vous êtes belles, vous vivez dans des belles appartements, mais à la fin, vous aviez des comportements de racaille. Bonjour. Parce que ce comportement, ce que j'ai vu hier, j'ai trouvé ça tellement ridicule. J'ai trouvé ça un comportement de racaille. J'ai même été choquée. J'ai été choquée. J'ai regardé la vidéo là, 3-4 minutes. J'ai été choquée de voir ça. Nadège Mbapa, je veux un peu me mêler. Excuse-moi. Tu es une très belle femme. Apparemment, tu es une femme qui se bat. Tu aides beaucoup les gens. Pourquoi tu ne restes pas dans ce couloir-là avec beaucoup de respect, avec beaucoup de dignité? Pourquoi tu viens faire ça sur la toile? Parce que comme tu nous vois faire sur la toile, tu veux aussi faire comme nous. Hein? Tu vas faire ça chez qui? C'est chez la personne qui attise la haine. Parce que ça là, c'est attiser la haine. Hein? Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes avec quelqu'un que je veux accepter que si je fais un direct, la personne dit que je viens témoigner chez toi. Vous me voyez, je ne fais pas ce genre de choses. Alors que j'ai plein de personnes qui viennent me voir, qui ont des problèmes, par exemple, dans leur couple ou dans leur vie avec leur entourage. Mais moi, je ne fais pas ce genre de choses. Parce que je dis toujours qu'il y a des problèmes qui peuvent se régler au quartier. Comme toi, Mandendon, tu as tellement de la haine envers Compressor. Quand tu trouves une occasion, tu sautes dessus. À quel moment tu peux refuser ce genre d'événement? Dis-moi, à quel moment? Je veux savoir à quel moment tu peux refuser ce... À quel moment tu peux refuser ce genre d'événement? Est-ce que tu sais que ça ne te, Dieu ne te bénit pas en faisant cela? Parce que deux sœurs sont en guerre.
Tu viens t'asseoir là, dis le goût de ça. Quel goût de ça? Le dégoût de ça. Le dégoût de ça. Moi, je vous dis ça, c'est le dégoût de ça. Moi, je n'ai pas apprécié. Ça, c'est un dégoût. Parce que deux soeurs ou deux cousines ou deux amis ont des problèmes. Tu viens t'asseoir avec tes faux sangs. Je te dis que toi, j'étais à Paris hier. Au nom de Jésus, qui est Jésus de Nazareth. Si je te croise sur mon chemin, toi, Madame Médor, c'est le jour-là que tu vas confirmer que tu as affaire avec une femme. J'étais à Paris et je suis même passé à Château Rouge. Si je t'avais croisé, quand je marche dans les rues de Paris, je te guette. Parce que tu, c'est-à-dire que tu me gonfles à un niveau. On ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Quand deux soeurs ont un problème ou deux copines, il faut arranger. Ces histoires que la photo nue, on est habitué avec ça. Oh, la prostitution, ça fait quoi? On est habitué avec ces choses. C'est pas étrange. Au jour d'aujourd'hui, les gens savent qu'en Europe, les femmes font la prostitution. C'est pas toutes les femmes qui le font, hein. Mais au Cameroun, en Afrique, les gens savent que toutes les filles qui sont sur la toile font la prostitution. Moi, je fais pas la prostitution, hein. Mais moi, mon nom est sur cette ligne, sur cette liste-là, que je suis pimentière, mais je m'en fous. Vous savez, tout c'est dans la conscience. Vous comprenez? Donc, quand tu viens t'asseoir là, parce que tu as des vues, tu as des gens qui vont regarder, les gens ne font que ça. Puisqu'il y a des gens qui s'ennuient. Le soir, il y a des gens qui n'ont rien à faire, qui sont seuls chez eux. Il y a des gens qui sont là, ils ne savent pas quoi faire dans leur vie. Ils s'assoient, ils regardent. Et ils envoient les cas, ils commandent. Mais au fond, vous ne savez pas ce que les gens pensent au fond. Ce que vous faites là, franchement, c'est de trop. Nadège, je pense que tu n'as pas trop besoin de ces choses-là. Quand on dit qu'on est une grande femme, hein, il y a des choses qu'on s'assoit dessus, même si ça fait mal. Il y a des choses qu'on s'assoit dessus, même si ça fait mal. Au final, je vois que je suis plus grande que vous sur Facebook, hein. Vous êtes trop de petites femmes. C'est quoi ça? Quand tu vas venir t'asseoir et dire des gros mots et dire toutes ces choses-là, ça va changer quoi? Au contraire, ça te déshonore, ma chérie. Parce que j'avais beaucoup d'estime pour toi. Je te respectais. Tu es trop belle. Tu es trop belle pour faire ça. Tu es trop belle. Tu es une belle femme. Il n'y a pas la jalousie dans ça. Tu es une belle femme. Tu es une bombe. Alors, si tu es une belle femme telle que tu es, sois un peu digne. Tu as des problèmes avec ta copine ou avec ta soeur. Assieds-toi. Je pense que vous connaissez des parents. Je pense que vous aviez des gens, des aînés autour de vous qui peuvent vous arranger. Honnêtement, c'est ridicule de venir dire, j'avais un faux profil, que j'ai fait ceci, mais c'est ridicule. C'est des choses qui ne se disent pas. Supposons qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai les problèmes. Même si je me prends la tête avec Aline Marie-Christine Zomobem, je vous jure, vous ne saurez pas. Même elle-même ne viendra pas sur la toile parler que Valérie Amourou. C'est moi qui vous dis. Parce que nous sommes des grandes femmes. Même si je me prends la tête avec Ange Divine, qui est ma copine, ou alors Chrissy Alof, qui est ma copine, ou bien Plante avec mes soeurs ou mes cousines, je ne viendrai pas sur la toile. Je ne viendrai pas sur la toile. Quand on t'a vu avec quelqu'un passer des bons moments, même quand ça ne va pas, hein, parfois il faut se mettre dans son coin et réfléchir. C'est vrai qu'il y a un moment de colère. Mais je ne pense pas que c'était la meilleure façon. Ce que tu fais là, ce n'est pas la meilleure façon, ma chérie. C'est pas la meilleure façon, je suis désolée. Et si tu vois comment elle se moque même de vous, Madame Médor, elle se moque de vous. Elle se moque de toi. Plus précisément, elle se moque, elle se fout de ta gueule. Elle est en train de se foutre de ta gueule. Elle dit que c'est le dégoût de ça. C'est moi qui vous dis ça, le dégoût de ça. C'est un dégoût. C'est moi qui dis. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Nadège Mbapa, s'il te plaît, tu as les problèmes avec ta soeur ou ta copine, je ne sais pas quelle catégorie, ou si c'est l'amitié ou c'est quoi. Franchement, arrangez ça au quartier. Ou alors, si vous prenez les décisions de ne plus se parler,
reste dans ton quoi? Je dis qu'il y a des choses que même ça te fait mal, tu t'assois dessus. Depuis que je fais des vidéos, j'ai plein de petits soucis au quartier. Hein. J'ai plein de petites choses qui m'arrivent, qui me rongent, qui me font mal, mais je ne peux pas venir me mettre devant les gens et commencer à parler. Parce que je me dis, ce n'est pas tout qu'on étale sur la toile. Ce n'est pas toute chose qu'on étale sur la toile. Ce n'est pas toute chose. Ce n'est pas toute chose qu'on étale sur la toile, je suis désolée. Je n'ai pas aimé. Beaucoup de gens n'ont pas aimé. Même si les gens ont regardé, beaucoup de gens n'ont pas apprécié. Moi, je vous dis ça. Beaucoup de gens n'ont pas aimé. Hier soir, les gens ont regardé, mais ils étaient aussi nombreux à dire que Nadège, tu es une belle femme, tu te ridiculises devant le monde entier. Beaucoup de gens l'ont dit. Donc, c'est ce que j'avais à dire, que franchement, dans la vie, il faut savoir faire certaines choses. Il faut savoir réfléchir. La réflexion n'est pas seulement quand on calcule les zéros, que je veux faire ceci, je veux faire cela, il va acheter un ça. La réflexion aussi, c'est quand tu as un vrai problème, tu t'assois, tu dis que ouais, qu'est-ce que je peux faire de ce problème? Si tu ne trouves pas solution, tu peux même demander aux gens que vous voyez comment. Comme au jour d'aujourd'hui, même les gens sont hypocrites. Les gens sont tellement hypocrites que... Les gens sont tellement... De nos jours, l'hypocrisie est devenue comme si c'était les arachides au marché. Les gens sont tellement hypocrites. Moi, si j'étais ton entourage, de ton entourage, j'allais te dire que non, calme-toi. J'allais te dire que non, ne fais pas ça. Si moi, j'étais de ton entourage, je ne suis pas de ton entourage, je ne suis même pas ta connaissance, je veux te dire que Nadège, calme-toi. Ce que tu fais là n'est pas bien. Ça ne t'honore pas. Je suis désolée, je n'ai pas souvent l'habitude, trop l'habitude de me mêler des histoires qui ne me concernent pas, mais ça m'a un peu choquée. J'ai été choquée. Profonde gorge, machin, tu vois déjà ton nom est très très vulgaire. Ne viens pas dire des choses comme ça. La beauté est relative. Vous voyez sur Facebook, on me crée de l'aide. On dit que je suis une laide femme. Et donc, on me trouve très belle. Donc, si toi, tu la trouves laide, moi, je la trouve belle. En tant que femme, elle est séduisante. D'accord? Donc, si tu as la haine en elle, moi, je ne suis pas là pour la haine. Eh, mon président, monsieur Raymond Tchengang, l'homme fort. L'homme fort. Bonjour, mon président. C'est ce que je dis. Que Nadège Mbapa, tu n'as pas besoin de venir t'asseoir sur Facebook, de raconter tout ce que tu racontes vis-à-vis de ta soeur. Ma chérie, c'est ridicule. Tu vas dire que n'est-ce pas, elle-même fait les vidéos. Moi-même, je fais mes vidéos, puis hein, je mène ma guerre. J'ai deux cibles sur Facebook. Madame Médor et Madame Hibou, alias Chauve-Souris Mbarga. Vous comprenez? Ça, ce sont mes cibles. C'est comme ça. Moi, quand j'ai mes cibles, je me focalise sur mes cibles. Même ce qui vient après, là, je ne suis pas trop dedans. Je me suis seulement permise un peu de parler de ça parce que ça m'a trop choqué. Moi, ça m'a piqué. Hein. Même quand les gens s'assoient pour faire les vidéos sur moi, moi, je suis une ampoule grillée, je m'en fous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je m'en moque. Mais là, ça m'a pénétré. Hein. Je ne vous mens pas. J'ai eu du mal à dormir la nuit. Vous comprenez? J'ai eu du mal à dormir la nuit. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette sauce-là? Cette sauce-là n'est pas bonne. La sauce-là ne pique pas. Jusqu'à même les Arabes veulent l'appeler. Attendez, on va un peu voir ce que l'Arabe s'y va dire. J'ai dit, je ne veux pas d'injures. Je ne suis pas venue. Ce n'est pas une personne que je clash. Je ne suis pas en train d'insulter Nadège Mbapa. Je suis juste en train de... Ma copine, j'ai fini de faire le direct. Je te rappelle. J'espère que ça va mieux. Je te rappelle.
Prenez. Ça ne t'honore pas.